Ben, nous sommes aujourd'hui à Fréjus, c'est le dernier gala de l'année pour ces jeunes en boxe éducatif. Un petit mot donc, du Boxing Club de Fréjus. Alors je dirais que c'est la dernière rencontre interclub de boxe éducative région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc c'est pour la quatrième année consécutive le challenge 12 qu'études. Oui. L'année dernière, ce challenge avait été remporté par le club de Toulon. Cette année, on va voir, on ne sait pas, je pense que c'est plutôt le club de Nice qui va le remporter, je pense. Donc voilà, il faut savoir que la boxe éducative, elle est pratiquée par des enfants. Ça va de la catégorie des poussins à la catégorie cadet, en ce qui concerne ce challenge. Donc autrement, donc vous formez également des jeunes. Comment on vous contacte si on est à Fréjus et qu'on veut faire de la boxe éducative? Ben, c'est très simple. Ils viennent, ils tapent à la porte. Ils ont des renseignements par leurs amis parce qu'ils en pratiquent déjà. Ou alors ils viennent tout simplement parce qu'ils veulent faire un peu de sport, ils veulent s'essayer à la boxe. Et s'ils ont l'âge de la boxe éducative, ben, ils viennent s'initier. C'est un jour par semaine et à raison de en gros 1h30 par créneau, ils viennent s'initier à la boxe éducative. Donc ben, cette saison s'achève maintenant. Place aux vacances un petit peu avant de reprendre en septembre cette rentrée. Les vacances vont être très courtes parce que nous programmons déjà un gala de boxe le 30 octobre. 30 octobre, donc, oui. Ça demande énormément de travail au niveau organisation. Qui aura lieu où? Qui aura lieu à Fréjus. Et comptant pour les finales du Critérium National. D'autres messages à passer Non, on souhaite, vu que nous arrivons en fin de saison, la saison a été bien chargée. Merci à tous les clubs qui ont répondu présents aujourd'hui au challenge. Merci à l'ensemble des participants, merci à l'ensemble de tous ceux qui ont participé à l'organisation. Et on souhaite de bonnes vacances à tous les clubs. Écoutez, on vous remercie infiniment et on vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci. Allez, viens. Alors c'est ça, on appelle le club de Nice Azur Box, qui a le trophée remis par Pierre Artouti. Miro. Vas-y. Le club de Fréjus. Venez là, le club de Nice. Le club de Fréjus a demandé sur le ring. Ah, le club de Fréjus, certains sont partis là. Samir, est-ce qu'ils sont là les boxeurs? Ou ils sont partis hein, là, plus tard? Où sont les boxeurs? Non, mais pas les boxeurs, juste les responsables. Yannick, où est Yannick? Non, c'est pas le club de Jacques, hein. Non, c'est Khalifa Bagoro. Voilà, c'est Khalifa. Ah, c'est le club. Voilà, c'est presque. Ça, c'est presque. Et Bagoro, il a été formé au PC Nice. Exactement, mais Bagoro, il n'y a pas de souci. Ah ouais, il est chez lui. Il a été hier à l'aéroport matin. Parce qu'on sait qu'il n'est pas là, il est là. Il est avec sa femme et. Il est tout seul, sa famille, il est parti tout seul. Ah, tout seul. Antoine, on remet ça, non? Oui, allez. Il fait toi en avant, Antoine. Venez ici. Face à moi. Pierre, face à moi. Là, je vais être le soleil. Il est là, soleil. Alors, plutôt comme ça, regarde. Ouais, ici, je suis bien ici. Non, mets-toi face à moi. Voilà, comme l'année dernière.
Voilà. Très bien. Vous êtes bien là. Voilà. Bien là. C'est le poids les gars, c'est le poids, vous êtes boxeurs. Voilà. Contractez le bras, félicitations, merci, bon soutien. La belle boxe, bien en ligne, hein, pas de bagarre. Hein. Voilà, bravo. Merci pour tout. Hein. Vous en prie. On va bientôt. Ça va, jeune homme. Va. Un petit mot, Ashraf. Alors, cette victoire par équipe, c'est quand même une victoire obtenue. Alors, bien sûr, ça fait plaisir. Un petit mot pour ton papa qui est à Nice. Hein. Bah, c'est pour lui, ça, bien sûr. Mais, j'aurais aimé une victoire quand même personnelle, même si on ne peut pas tout avoir. Voilà, mais c'est quand même un premier pas et un grand pas parce que je sais que tu te donnes énormément et que quelque part tu es le représentant de la boxe éducative dans les Alpes-Maritimes. Tu es le champion des Alpes-Maritimes de la région et interrégion. Donc, sois fier, félicitations, bravo pour toute ton équipe, pour cette coupe qui est méritée. Hein. C'est un travail. Les arbitres ont vu votre travail, votre équipe, et bravo. On l'a mérité, je trouve que c'était mérité. D'accord, mais écoute, on se dit à bientôt et boxe éducative. Tout le bonheur, hein, à ça.